représente quelque chose de grand pour tous les sportifs. C'est un rêve d'y participer. C'est une compétition pour les athlètes, quoi. Chaque sportif de haut niveau devrait avoir le rêve de faire les JO, quoi. C'est l'objectif ultime. C'est ce qui donne vie à notre carrière un peu, donc pour moi c'est un rêve et c'est un objectif haut placé mais possible à atteindre. C'est à domicile, ça veut dire que tout public français sera à côté de nous et c'est beaucoup plus sympa, on a beaucoup plus de soutien et c'est beaucoup plus d'émotions. On y pense et puis ça va arriver vite, du coup forcément on en parle. Et... Aujourd'hui j'ai 19 ans, donc c'est-à-dire que j'aurai 26 ans, 25 ans environ. C'est là où on est presque dans notre âge d'or. J'ai comme projet de m'entraîner à fond pour essayer d'y aller. Il faut commencer dès maintenant parce que si on attend, après on peut griller toutes ses chances. Les années minimes cadets, c'est les années où on progresse vite, donc c'est là où il faut prendre le plus de choses pour plus tard. Le club d'athlétisme, c'est vraiment l'endroit idéal car on a de bonnes conditions, on a des kinés qui viennent régulièrement chaque semaine. À mon âge, c'est vraiment le mieux, je pense. On a toutes les conditions, la cantine, l'école, l'internat à côté, les entraînements bien sûr, donc ouais, c'est vraiment bien. Ça me fait vachement progresser niveau techniquement, physiquement, mentalement aussi. La vie de groupe, ça nous aide parce que je sais que pour ma part, je suis quelqu'un de stressé. Et ça nous aide à nous dévoiler. On a des entraînements de qualité et des coachs surtout expérimentés dans notre sport. Donc tout ça, c'est réuni pour qu'on réussisse.